aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo afin de parler cheveux bouclés, puisque aujourd'hui c'est le tag tout sur mes boucles. Alors bon, c'est un tag, ok, mais en fait je l'ai un petit peu remasterisé puisque j'ai pris le tag, j'ai rajouté mes propres questions, j'ai rajouté des questions d'un tag portugais, voilà voilà. Donc du coup ça a fait un nouveau tag sur les cheveux que je trouve plus complet et que je trouve peut-être qui répondra plus aux questions. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Quel est ton type de cheveux? Alors moi mon type de cheveux ce sont des cheveux épais et dont les boucles sont de type 3A, 3B plutôt. Donc voilà, il y a des types de cheveux, il y a des types de boucles. Moi ils sont secs et voilà. Au niveau des types de boucles, vous avez les types 2, type 3, type 4. Le type 2 c'est ondulé, type 3 c'est bouclé frisé et 4 c'est crépus. Donc voilà, si vous êtes à peu près comme moi, vous savez que vous êtes 3A, 3B. C'est important de connaître un peu son type de boucle et de voir un peu où on se situe pour ensuite savoir qu'est-ce qui peut nous convenir, etc. Donc voilà, c'est important. Si vous voulez savoir un peu où vous vous situez, j'ai fait un article sur mon blog, sur soukoukal.blogspot.com. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et toutes les vidéos dont je parlerai, etc., les articles seront en barre d'infos. Donc voilà, vous avez plein de choses à choper après cette vidéo. Quelle est ta couleur naturelle? Alors au niveau de ma couleur naturelle, alors ici à ce niveau c'est ma couleur naturelle. Et là on voit que c'est plus clair. Ça c'est en fait des mèches décolorées avec de la gelée éclaircissante et du henné par dessus. Donc voilà, ça c'est naturel, c'est vraiment très foncé. Et ça c'est ma nouvelle couleur. Ensuite, quel produit capillaire utilises-tu? Alors au niveau du shampoing, mon shampoing que j'utilise c'est celui de Acure. Je vous l'ai présenté plein de fois déjà. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il nettoie très bien le cuir chevelu, etc. J'utilise aussi celui de chez Giovanni et il est super doux, enfin il est super bien. Ensuite en après shampoing j'utilise celui-ci qui est le Aubrey Organics Salon Icicle Rose. Voilà, et celui-là aussi il hydrate très bien. J'utilise aussi le Hugo Natural Volumizing, etc. Je vous le mets ici. Et je l'adore aussi, il sent super bon et il hydrate hyper bien. Voilà, si vous voulez voir tous les produits que j'ai utilisés, que j'ai déjà testé, mon avis dessus, je vous mets une vidéo en barre d'infos sur tous mes produits capillaires. Il y en a un max. Donc voilà. Ensuite, j'utilise les leave-in de chez Kinky Curly, de chez Giovanni aussi j'ai utilisé. Et de chez Nubian Héritage. Donc voilà, ça c'est pour les leave-in. Quel est ton produit indispensable? Donc moi je dirais que mon produit indispensable c'est le Kinky Curly Not Today. Alors c'est donc le leave-in et je l'adore, il a un super pouvoir démêlant, il a un super pouvoir définissant et voilà, je l'adore, c'est mon indispensable pour le moment. Voilà, pour moi c'est vraiment le produit que j'adore, le leave-in en général en fait, tout simplement. Préfères-tu tes cheveux naturels? Alors oui, je les préfère naturels. Je me dis, voilà, ils sont beaucoup plus beaux comme ça plutôt que lisses et cassants, parce que j'avais vraiment du heat damage, comme on appelle ça. Ils étaient vraiment cassants, c'était de la paille, c'était vraiment pas joli à voir en fait, et ça se voyait que c'était pas mes cheveux quoi, enfin que c'était pas naturel. Alors que là, voilà, ils sont naturels, ça change, ça donne un côté un peu exotique, tu vois, alors que pas du tout en fait. Et donc voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça apporte un peu de nouveauté au paysage capillaire français. Tu vois, et donc ça me fait plaisir en fait, je me distingue comme ça, ça me plaît beaucoup, et voilà, je trouve que ça change et que je trouve que c'est beau tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous, si c'est beau ou pas. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans tes cheveux? Alors moi ce que j'apprécie le plus dans mes cheveux, je pense que c'est leur souplesse et aussi leur forme. J'aime bien le type de boucle comme ça, je trouve que c'est très joli. Et ensuite la souplesse, enfin voilà, ils sont plus comme avant hyper rigides, hein, limite Playmobil, non, ils sont hyper souples et ça j'adore. Voilà, et ça c'est le secret, c'est vraiment l'hydratation, la nutrition, enfin bref le soin. Et plus ils ont soigné, plus voilà, ils sont définis et souples, etc. Ensuite la question c'est quels accessoires utilises-tu? Alors j'utilise plusieurs accessoires. Alors le premier c'est mon super peigne à dents large. Alors pour moi c'est indispensable d'avoir ça parce que ça permet de démêler sans casser trop la boucle. Et voilà, donc ça a des dents larges et c'est idéal pour les cheveux bouclés. Donc voilà, je vous recommande ça. Ou d'utiliser voilà, n'importe quelle autre brosse mais adaptée. Ensuite il y a ce genre de peigne là qui permet en fait de créer un peu de volume dans vos cheveux, donc à la racine, de décoller les racines.
voilà, sans chaleur, donc ça c'est important. Ensuite, vous avez les traditionnelles chouchou pinces. Donc voilà, les pinces Bobby Pins en anglais, n'est-ce pas? Donc voici. Voilà, donc pour moi, c'est ça m'aide dans la vie de tous les jours et je pense que voilà, la plupart d'entre vous aussi. Et ensuite, donc, il y a ceci, la super serviette microfibre que j'adore. Et voilà, donc qui permet de sécher plus rapidement les cheveux sans créer de frisottis, donc ça ou un t-shirt, et éviter les traditionnelles serviettes tout simplement parce que ça crée des frisottis les autres. Et voilà, donc j'adore. À quelle fréquence laves-tu tes cheveux? Alors moi, mes cheveux, je les lave environ toutes les 4 jours. Voilà, donc parce que mes cheveux ne sont pas sales, ils ne sont pas secs. Tout simplement, enfin voilà, j'ai pas besoin de les laver trop souvent. Un cheveu sec, on a pas besoin si vous n'avez pas le cuir chevelu gras. Le seul problème en fait de pas se laver tous les jours les cheveux, c'est que du coup le matin ils sont pas hyper bien formés, ils sont pas hyper frais. Mais j'ai la solution pour ça, j'ai même plusieurs solutions. Et si vous voulez les découvrir, bah, elles seront en barre d'infos puisque c'est une vidéo que j'ai faite à ce sujet, comment rafraîchir les boucles le matin en fait. Donc voilà ma routine à propos de ça. Donc voilà, qui pourra vous aider avec plusieurs petites solutions. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? Alors moi je les sèche donc, comme vous l'avez vu, le trop-plein d'abord avec la serviette et ensuite à l'air libre. Donc ça donne ça, donc voilà, au niveau du volume, moi je suis ce qu'il me faut pour l'instant, j'en demande pas plus, pas moins. Et ensuite j'utilise le sèche-cheveux que si vraiment je dois aller vite en fait, avec le diffuseur. Voilà, mais que si je dois aller très vite, sinon c'est pas la peine pour moi de l'utiliser. Ton dernier achat pour tes cheveux? Alors mon dernier achat pour mes cheveux, c'est ceci. Alors en fait, vous allez me dire, mais c'est pour la cuisine cette connerie, enfin voilà, hein, voilà. C'est pour faire des sauces, des points. Et en fait, oui, mais je vais le détourner, ce sera pour mettre mes huiles et ensuite faire mes bains d'huile aux racines, voilà. Donc pour mettre mon huile de ricin et pouf pouf. Et traiter tout ça un petit peu, donc plus facilement et plus précisément, puisqu'il y a un petit embout comme ceci. Donc voilà, pour moi ça me paraît super pratique de pouvoir avoir ça. Et donc je l'ai acheté 2,49€ chez Casa. Si tu étais magicienne, quel changement effectuerais-tu? Alors moi ce que je ferais, je pense que je demanderais de la définition tous les jours, tous les matins. Voilà, tout simplement, j'en demande pas plus, juste un peu de définition et de la brillance, allez, quitte à être magicien. Voilà. Que j'ai pas de souci à me poser sur ça, voilà. Envisages-tu des changements, coupés, coloration, etc.? Alors oui, j'envisage des changements, mais je ne sais pas si ça peut le faire. Donc j'ai 3 possibilités, vous allez me dire. La première, je reste comme ça, brune, point. Voilà, parce que le naturel, il n'y a rien de mieux. Et encore, je dis naturel, mais voilà. Ensuite, sinon, j'aimerais passer au violine rouge, tu vois. Donc j'adore cette couleur, le violet c'est ma couleur préférée. Mais j'ai pas envie que ce soit un violet tapant, juste du violine foncé et qu'au soleil il y ait des reflets. Enfin voilà, pour moi je trouve ça super joli. Je vais vous mettre des photos à peu près ici de ce que je pense. Voilà, je trouve ça très beau, très beau. Et j'ai fait justement un tuto henné à propos de ça, où j'ai fait des hennés avec des reflets violine. Donc voilà, toujours dans le naturel. Et sinon, voilà, j'aimerais éclaircir un peu ma teinte de cheveux avec des petits... de mèche blonde, voilà, je n'y connais rien au balayage, moi je change pas quoi, donc voilà, juste éclaircir, je vous montre à peu près ce que j'aimerais, voilà, donc ça c'est Be What You Want, j'adore cette fille, j'adore sa coupe de cheveux, j'adore sa couleur, donc voilà, c'est à peu près ce que j'aimerais, sinon je sais pas si ça peut m'aller, voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut m'aller, tant mieux, si vous pensez que ça peut pas aller, tant pis, voilà. Penses-tu qu'il y a naturellement de beaux cheveux ou crois-tu qu'il est impossible d'avoir de beaux cheveux sans soins particuliers? Alors, je sais que c'est possible d'avoir, voilà, on a chacune notre type de cheveux différent. Et oui, c'est possible d'avoir des cheveux qui ont besoin de moins de soins que d'autres. Mais je pense qu'un cheveu a toujours besoin de soins naturels. Parce que voilà, il faut l'aider. Si tu laisses ton cheveu en mode happy life, hippie, c'est pas possible. Ça va s'en mêler, etc. Il a besoin de plus de choses aujourd'hui avec la pollution, tous tes efforts, ta transpisse que tu veux. Enfin voilà, il a besoin qu'on l'aide. Et ça, avec des produits naturels, c'est d'autant mieux. Voilà. Préfères-tu prendre soin de tes cheveux toi-même ou préfères-tu les laisser dans les mains de professionnels qualifiés? Alors, trouvez-moi des professionnels qualifiés. Parce qu'à chaque fois que je vais chez un coiffeur, que je dis, bon, on fait ça, ça, ça. Bon, déjà, il utilise ses produits de... sur moi. Voilà, avec plein de silicone. Donc, déjà, je
qui me contient. Et ensuite, c'est toujours marrant, mais c'est au niveau du rendu. Moi, c'est ce que je veux chez un coiffeur, où voilà, tu me coupes les points, tu vois ça, ou tu me fais un dégradé, et puis on voit ce que ça donne à la fin. Et je sais pas pourquoi, et à chaque fois que je sors, ils utilisent tous des produits différents, des soins différents, alors que c'est chez le même coiffeur, etc. Mais je ressors toujours avec un type de boucle, mais différent. La dernière fois, je suis ressortie avec des anglaises, mais anglaises quoi, tu vois, genre anglaises du 18 ou 19e siècle, là, j'ai pas compris. Et pas du tout comme ça. Donc les professionnels, pour l'instant, bof, moi je suis plus satisfaite parce que je fais moi-même. Voilà. Ensuite, as-tu déjà regretté quelque chose que tu as fait à tes cheveux? Ben, les lissages, tout simplement. Voilà, les lisser tous les jours, tous les deux jours, ben, je le regrette vraiment. Je vois les photos que j'avais, ben, voilà, ils étaient super secs. Enfin, y a pas d'autre raison, c'était de la paille. Voilà, c'était plus des cheveux, c'était vraiment des cheveux très abîmés. Et pourtant, voilà, hein, quand les gens disent que la norme c'est le cheveu lisse, ben voilà, on a envie d'avoir le cheveu lisse. Et c'est comme ça, enfin, j'espère vraiment que ceux qui regardent cette vidéo, ils tomberont pas dans cette mode du cheveu lisse. Et que grâce à mes vidéos, les gens, les filles, les mecs, peu importe, apprendront à aimer leurs cheveux tels qu'ils sont. Parce que c'est vraiment 4 fois plus beau, quoi, tu vois. Donc voilà, je trouve que ça donne un charme supplémentaire par rapport à tous les autres types de cheveux qu'il peut y avoir, et voilà. Ensuite, avez-vous des astuces techniques ou un produit qui rend vos cheveux en meilleure forme? Pour moi, astuces techniques, c'est clairement utiliser des produits maison et faire des masques maison. Hydratation, nutrition, bain d'huile, masque au miel, masque, je sais pas moi, l'avocat, etc. C'est hyper facile à faire, tu prends de la crème fraîche, des machins, bref. Et tu te fais ça, tu laisses poser et ça ira déjà 100 fois mieux. Tu fais ça une fois par semaine et tu t'en sortiras très bien. Voilà, donc utiliser des produits de la maison pour en faire des masques, il n'y a rien de mieux. Je vous mets en barre d'infos toujours mon blog avec des masques si vous voulez. Mais c'est hyper facile à faire, vous en trouvez partout. Et voilà, avec 3 fois rien, vous faites des super masques. Voilà, je pense que si vous voulez, vous avez, dites-le moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos avec plus de masques et maisons, etc. Ou alors des articles, peu importe. Enfin, ou alors dites-moi ce que vous préférez, si c'est sous forme de vidéos ou d'articles. Mais dites-moi si vous en voulez plus, si vous voulez plus de recettes. Voilà. Ensuite, le nom de quelqu'un que tu admires pour ses cheveux. Alors, moi, la personne que j'admire pour ses cheveux, c'est clairement Sunkist Alba. Voilà, donc c'est une youtubeuse que j'admire. Et j'adore ses cheveux. En plus, la manière dont elle les entretient aussi, ça me convient plutôt bien. Et voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Elle a des super cheveux. Et voilà. Voilà, je vais dire de plus. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce tag, ben dites-le moi en commentaire. Vous avez toutes les vidéos, comme je vous dis, en barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur Facebook, tu peux me suivre aussi donc sur le blog. Et c'est déjà bien. Tu peux t'abonner aussi pour avoir plus de vidéos aux cheveux. Toujours, toujours, toujours plus. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire toutes les questions que vous pouvez vous poser ou ce que vous utilisez ou répondez à ce tag. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de voir aussi l'avis d'autres personnes sur ce type de questions. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.